Tozali libote atata nzambe et nzambe avandi kati na biso et Israël était égal à lui-même. Yango nzambe zaki jaloux a lingite ke bande Israël ba imiter mabota mususu. Et aujourd'hui le kimbangiste est égal à lui-même. Presoye. Oui. Likambo ofoye bango. Le kimbangiste est égal à lui-même. Toza kozwa ba erreur rebelle, makambo ebele bozo mona tozwa retard parce que toli koto se comparer na bato mususu na ba église mususu. Nous sommes différents. Pour le moment, nzamba za pa na biso, c'est Dieu qui dicte la loi, qui donne les coutumes, les traditions. Biso ndeto ko pesa ba tradition na bato mususu. Toyokani? Lelo oyo tozali kotala mais biloko nyonso tozolanda. Oui. Biloko nyonso tozolanda et salama ma mindele. Ba yebi ke sosali boye mutu mwindi tokokangela ye awa. Yango nde biso tobengami libote ya tata Nzambe le kimbangiste azana culture na ye. Azana déontologie na ye. Azana idéologie na ye. Oh, tata Nzambe azako pesa ndenge apesa ki yango nakala. Yango nde bozolanda message ya papa. Nzamba lobi mbala mibale na mokili. Ya liboso na bayuda. Ya mibale na nani? Soyi na zolo baboye. Parce que vous êtes là à vulgariser les informations. Les messages du chef spirituel. Le kimbangiste est égal à lui-même. Nzamba azo pesa ba message. Azo dicté sale li yasika. E biso toko za atujo na ba koutume ya kalate. Pe mayele nyo toza ko luka. Eza na tata ou ya vandi na biso. Le moli momo santo. Presoye. Oui. Toke no lukango e musikati. Mayele. Tangu toyaka awa tosa la mai. Très attentif. Vous avez dette papa pesa bino. Presoye. Oui. Dette papa pesa bino. Est-ce que vous avez encore résoudre yango? Papa Simon Kimbangu ayaki na makambo mi ya liboso lingomba ya mibale ya misatu. Est-ce que vous vulgarisez yango? Vous faites des émissions à Kikongo? Bosala effort. Bosala nini? Vous devez aussi vulgariser les mandombe. Bosala? Hein? Oui, oui. Les émissions mando. Oui, il y a les émissions. DG Ezali Makamonabino. Bon vulgariser les mandombe. Parce que c'est notre culture. Eza et l'okali bosonza bazo kabela biso. Un peuple sans religion n'est pas civilisé. Un peuple qui n'a pas son écriture n'est pas civilisé. Et ça, a déjà mais c'est ça la civilisation de l'homme noir. Le kimbangisme, c'est une civilisation. Donc je pense que na l'obéli bino, oh yezali, quand on fait une formation. Na lingina yebisa bino na communication pourquoi bino boyaka le 31 bo silisaka le premier vous êtes à la fin et au début le quoi la alpha omega non oui. Présoyer oui. Les tout derniers jours ce que botali tata Nzambe a sali misala naye. Le dernier jour, Tangwa Sali, quelle était sa phrase? Dieu a vu que tout était bon. C'est l'évaluation, non? Hein? Pour Tata Nzambe, c'est un homme de l'ordre.
asali plan de création. Tant asali plan de création, il a fait le programme d'activité. Le premier jour, le deuxième, le troisième. Parce que le plan n'est qu'une volonté. Mais le programme d'activité, le premier jour, le deuxième jour, et à la fin, évaluation. Donc, vous, la presse, vous venez pour faire l'évaluation. Est-ce que l'Église a marché? C'est ça le dernier mot du chef spirituel. Hein? Parce que le chef, il donne comment l'Église a marché pendant l'année. Et il vous donne le résultat, l'évaluation. Presse, voyez. Oui. C'est donc ce qu'on a dit dans Genèse, chapitre 1er, verset 31. Dieu a vu que tout était bon. Ce que vous voyez, tout était bon. Hein? Mon salat au sali toute l'année, l'évaluation. Tout était bon? Non. Voilà. Maintenant, nous sommes au premier jour. Dans le premier jour, nous revenons toujours dans Genèse chapitre 1, premier verset. Le premier jour, Dieu créa quoi? Donc, nous avons la gestion. L'homme a comme problème, doit gérer le monde. Mais le premier jour, Dieu crée le ciel et la terre. La terre, c'est le symbole de la patience. Pressoyez. Oui. Vous comprenez? Oui. La terre, c'est quoi? Symbole de la patience. Donc, on vit dans ce que la patience était. Moi, je peux bonga. Exact. Je ne sais pas si vous suivez. Aujourd'hui, vous faites la base. Les premiers jours de l'année, on fait la base. C'est quoi? C'est la terre. Quand la terre a patienté, s'est transformée en pierre. C'est toujours la pierre, c'est une terre qui a patienté. Et quand la pierre a patienté, devient fer. Et quand le fer a beaucoup patienté, s'est transformé en acier. Ça devient inoxydable. S'il vous plaît, Bandela, la terre, c'est un symbole de la patience. Non, malheureux. Laissez passer. C'est un symbole de la patience. Donc, le premier jour, l'homme, vous comprenez? Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Nous sommes à la terre. La terre, c'est le symbole de la patience. Donc, il faut patienter. Papa Dengena nous disait toujours, ce que je suis devenu moi en tant que chef spirituel, c'est le fruit de la patience et la tolérance. Parce que le ciel, c'est le symbole de la tolérance. Hein? Vous voyez, il y a deux choses. Il faut avoir la tolérance, il faut avoir la patience. Donc, l'icolo, ils allient symbole de la tolérance. Maintenant, je reviens pour la terre, pour revenir. La terre. On m'a dit, et là, il y a des ce qui totalise d'abord, hein, m'a dit, et ça, la différence. Je suis un sable, je suis un sali, comme ma banga, je suis un fertile, je suis jaune, je suis un noir. C'est ça, non? C'est comme ça que quand vous donnez votre émission, il faut y aller aux Aliwapi. Ce n'est pas ça. Ma belle union, c'est parti à même produit. Ma déesse, ils ont ma belle union avant que ma déesse. Hein? Donc, et le connu, ce que l'on a, l'agronome sait que pour la ébota, il faut telle terre. Mais nous, tant que vous avez information, tant que vous avez un micro, d'abord, il faut vous rendre compte, récepteur, nangazana. Ce n'est pas ça? Donc, il faut payer ma belle. C'est ça le premier jour. Ma belle, ça n'est pas mon côté. Il y a une information. Il y a une information de mon côté. Il y a un magazine, il y a un magazine. Il y a un magazine, il y a un magazine. Il y a un parce que, il y a un magazine, il y a un colonne. Chaque agent, il y a un média, il y a un récepteur, il y a un magazine. Il y a comment gérer ces gens-là. Donc, ma belle, c'est différent. Il faut que tu aies un côté, il y a un côté, pour que tu aies un côté, il y a un côté.
na kozwa dose oyo po eza na niveau na bango. C'est ça la terre d'abord. Ça c'est le point de départ. La terre qui a patienté s'est transformée en pierre. Donc les banga eza la ba or ma banga talwa na nyonso tout eza ma belé. Yango mona batu ba wela ka ma belé. Po katia ma belé biloko talo eza lanaka na kati. Wana le deuxième classe ya libanga ya mabele trois la pierre qui a patienté s'est transformée en fer mono mbibende to mona kabazo sala mituka esaka ka mabele no basala wana mabele mais mabele wana oye komi na troisième classe et ce qui fer est patienté et se transforme en acier, ça devient inoxydable. Ndenge ya foi na biso lokola ba Job kondima na ye zalaki na 4e classe spirituelle et ils ont commis inoxydable. Bana nyonso bakufi, ce n'est pas un problème. Biloko nyonso kufi, ce n'est pas un problème. Mais oza na première année, soki ka kufeli wana papa yo singa sonye. Ah papa yo singa sonye, zanza beto zanza bete. Oh, muta kufa te. Soki muta kufa baza sonza mete. Preso ye. Oui. Donc là, c'est ça la terre. Le ciel, c'est le symbole de la patience. Pardon, de la tolérance. Il faut avoir la tolérance. Bako finga yo, bako sala yo. Vous croyez que pourquoi je suis devenu premier suppléant, c'était là. C'est facile. Ce n'est pas horizontal. Il faut monter. On a connu beaucoup de difficultés pour arriver à ce qu'on est. On a beaucoup toléré. Vous voyez? Dans le monde commun général, partout, il faut apaiser ça. Pourquoi? Il a toléré. Yangoana, en 1921, dans mon papa Simon Kimbango, a sali groupe Flitis, a bengi yango Zulu Babela. Ah, le groupe Flitis. Par 1921, papa Simon qui m'a passé un mot Zulu Babela, c'est-à-dire l'icône baïna. Ce qui a passé moi, c'est siliki. A passé moula, c'est siliki. Mais ce qui a passé moula, il y a un mot qui a mais c'est siliki. Il y a un mot qui a passé moula. Mais ce qui a passé moula, ah papa, biso biloko moyen. Presso, il y a un mot qui a passé moula. Il y a un mot qui a passé. On n'empêche pas le soleil de s'élever. Mundele lingalate kokanga volonté à Tanzambe. S'il lui plaît, azui para soleil na para pluie na yatie que la nature fasse son travail. Menga pena sala oya. Mais biso batu mwindo sala kanini. Il faut na kanga mbula. C'est ça. Il faut avoir la tolérance. Mboule noki, boli oko ne musala et salamite, mais oyebite pourquoi nzama noki simbula. Et loko to yebaka tende yango. C'est après que le kambo ko ah, di a raison. Soki na kenda ki, soki mboule noka ki tende ngana ko na likama. Nzamba lingi, donc c'est le ciel, mais plutôt finga kakaka. Likolo bayina. C'est ça la tolérance et avoir la patience. Yango comme ma biso nyonso musika. Toyokani? Preso ye. Na kati lingomba na biso. D'abord notre église est appelée Église de Jésus-Christ. Sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbao. Les gens disent ah mais ça nani a fonda ki yango? Ça, c'est Papa Simon Kimbango lui-même qui a donné cette dénomination. Lingomba na biso babenga kango, lingomba nkolo Yesu. Il a dit ceci en termes original. J'ai le texte avec moi ici, de Mbanzansata. Dibundu sidia tungama, munankumbwa mfumu wetu Yesu Kristo. Kadidiveno kwa mono ntumwandi Simon Kimbango. C'est ça la phrase. J'ai le texte ici, mais j'ai la phrase en tête. Je vous récite ça.
Donc lingomba ekotongama na kombo ya Nkolo Yesu. Me pesa mina ngai toma na ye simuki mbangu. C'est comme ça que on dit église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Kimbangisboye. Oye. Kimbangisboye. Oye. Kimbangisboye. Oye. 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 Espoir du monde église universelle. Le sage Dieu, parce que on vit dans là là ça peut venir yo. Tu n'es pas malheureux là pour na. Ni. Faites-moi confiance. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Je vous ai, un, deux. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Kana papa, pourquoi il vous met à la fin et au début? Est-ce que vous m'avez dit comme Oyo? Le jour que les Japonais ont connu que le soleil s'élève chez eux, qu'ils sont le premier voyant du soleil, tant qu'on va étudier les Kamboana, pourquoi faveur en basanango? Vous voyez toujours le Japon, pays du soleil levant.
Ils se sont développés à partir de ça. Hein? Bah, étudier. Pourquoi papa appelle sa gabisso le 1er janvier, le 31 décembre? Mokolo boko senga likambouana aye bisabino et boko kene mosika. Ça, c'est un secret que je vous donne. Bête, boko, bête, boko. Pressoye. Oye. Ba finga kabiso, biso to linga kakankolo yesu to tanga ka Bible. Moni mangoma mousoazo vane, pourquoi bino botanga ka Bible? Il ne fallait pas tango tanga Bible ba mindele. Toyoka kobe toyoka kate. Mais papa Simon Kimbangu vous dit quelque chose. Dans son message de Mbanzansanda, il dit ceci. Continuez à lire la Bible. Oazolo, papa Simon Kimbangu, hein? Oui. Tu continues à kotanga? À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres. Et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ah, voilà les camarades. Continue à lire la Bible. Est-ce que l'objet est mon acquis ou est mon acquis? Hein? Bah, tu vas me lire sur la Bible. Hein? Il faut que le voleur soit arrêté. C'est ça? Hein? Je n'ai rien dit. Bien. Il y a les textes. Notre église est régie par des textes. S'il vous plaît. Oyo et département, il y a presse et information. C'est ça, non? Oui. Le chef spirituel a signé les documents. Il dit ceci. Les départements sont des branches spécialisées de l'Église qui couvrent divers domaines d'activité permettant à celles-ci d'exercer des fonctions évangéliques. Bon, mon évangéliste, et les années, ba département nyonso. Donc, exercer des fonctions évangéliques, sociales, humanitaires, éducatives, sanitaires, économiques et financières. Ils sont dirigés par des représentants légaux suppléants, chefs de département, ayant pour mission à concevoir des programmes généraux d'activité. Il y a les textes ici. Donc, c'est ceux qui dirigent. Donc, on a tangé l'importance du département. Donc, différence, tant que nous avons salué à lobby deux fois dans mon kit. A changé ma cambote. Ça, c'est la définition importance du département. Département à département, et Zali na importance à mon lingomba. Et là, on est en train de se faire un peu et ça a valeur na yango. Na kikongo balobaka, kikombo so eza nango ilo kwa valer, temezanga ka nanda kwa batute. Ita nanda kwa mukonzi, kikombo so eza laka. Eza ilo kwa valer? Na kotele ilo, ikombo so eza nango ilo kwa valer te, mezanga ka nanda kwa mutute. Kikombo. Kikombo. Ui, kombo. 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 Bale. Bale, c'est ça. Eza laka nanda kwa nyonso. Meme zango ilo kwa valer te. Même si vous avez un défaut, vous voyez. Donc, le département, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. L'interdépendance. L'interdépendance, c'est le département, c'est les alliés. Alors, on a des alliés, définition, il y a un département. Maintenant, nous avons un département qui nous concerne. On appelle la presse. Pourquoi je suis arrivé ici? Parce que dans les plans d'information, ce qui est au séminaire, dans le plan de formation,
L'importance d'un plan de formation, c'est donner la forme. Donc, le cours Nyon, l'objectif, c'est donner la forme de la personne qu'on veut former. Tolinga zala lokola nani. Donc, à son modèle, donc on le forme, on le façonne en tant que médecin, en tant que journaliste. Donc, et dans son langage, dans son comportement. C'est comme ça que quand on fait un plan de formation, on définit d'abord les objectifs, les tâches à accomplir. À quoi ça là, nani mutoling toko formé. De quelle connaissance il doit avoir, c'est ça la notion de savoir. Et quel savoir-faire il doit avoir, c'est la notion de savoir-faire. Et le savoir-être, c'est ce que l'autre, mon prédécesseur venait de donner. Il était dans le savoir-être. Et cinquième colonne, les matériels qu'il faut pour accomplir cette tâche. C'est comme ça que, tant que vous avez un département d'évangélisation, il faut y avoir une tâche d'évangélisation. Pour être, à partir de la tâche, on va vous former sur les savoirs, les connaissances que vous devez avoir pour accomplir les tâches. Les savoir-faire qu'il faut pour accomplir les tâches. Les savoir-être, la moralité. Donc, la binôme de Bozaliwana, c'est la voie autorisée du chef spirituel. C'est la voie autorisée du chef spirituel. Mon gongo ya papa. Alors, qu'est-ce que le département de la presse et information? Le département de la presse et information a pour objet de servir de caisse de résonance de l'Église. Caisse de résonance. Est-ce que... comment vous, on peut expliquer ça? Caisse. Hein? Sandoukou. De résonance. Donc, vous trouvez ça? Ce n'est pas n'importe qui peut dire des matins à un journaliste, non? Parce qu'ils ont une caisse de résonance. Parce que micro, oh, ils ont une prison. Moi, j'ai fait la communication. Je suis formateur en technique de communication interpersonnelle. Moi, j'ai fait le CIP. Micro, ils ont prison. Ce sont des métiers à risque. D'accord aussi? Parce que l'histoire ne pardonne pas. Baby, l'histoire ne pardonne pas. Nga naza passer, soko sali l'issue na pardonné yo. Mais l'histoire ne pardonne pas. Tant on oublie kambo na micro, c'est acté. Même au corriger ango mais ethically au sala correction. Ah non, bolimbi sanga likamo na lo. Mais l'histoire retient. Yango balobi ezali caisse de résonance. Il faut mettre ça là avant qu'on paie mes messages. Il y a un moment où on a un message à n'importe qui, parce que c'est une communication. Et communication, on ne peut pas effacer ça. Et qu'il y ait déjà. Surtout, où est le caca? La nuit, je voulais appeler Mutandala. Je suivais son émission. Mutumoko aye, nga naza troisième suppléant. Hein? Est-ce que nous avons un troisième suppléant? Allô, un agent de presse. Hein? Un troisième suppléant. Nga pas bien un troisième suppléant. Obi kena quatre à radio. Okoko ça l'aventureté. Alors c'est un agent de presse qui dit que nga naza troisième suppléant. Nga lingomane nous avons un troisième suppléant. Et ça m'a kamoto ko lobana biso, hein? Na blague, mais na kati ya media ko lobangote. Parce que les ngoma na biso a prévoya troisième cible. Tant que le kana presse boye lobby batu mo. On a dit la fois passée ba catholique. Un musicien qui se disait cardinal. Ba ki ma ba catholique ba batte ba télémaki. Hein? Ah, il y a mes pesi sobriquet ka ya. Pape. Voyez? Donc tous à la ma conséquent, parce qu'ils ont une caisse de résonance. Balobi, c'est de servir de caisse de résonance de l'Église pour diffuser ces messages de salut, d'exhortation, d'adoration et d'évangélisation.
bon mon objectif na biso maintenant ceux qui ont eu évangélisation en côté matière aux autres transmettre ont eu bien en côté ni fond ni ni tenant aboutissant et quoi ça là ni bon ça n'a risque ma case. C'est l'outil de communication par excellence. C'est l'outil de communication par excellence. Or, quand on dit communication, c'est faire les communs. Ça va? Entre émetteur et récepteur, vous faites les communs. Est-ce que réellement vous faites les communs? En termes, c'est ça, la communication. Il faut vous rendre compte. En tant qu'émetteur, vous avez votre cible, qui est le récepteur. Qu'est-ce que vous voulez faire d'eux? Vous voulez qu'ils changent? Ils changent de comportement? Qu'ils adoptent quelque chose? Donc, tant que vous avez cette émission, vous devez savoir qu'est-ce que vous demandez à votre récepteur. Alors, quand vous avez une émission qui n'a pas un objectif à atteindre, papa de ngena biso ayibisa biso kote ya litei oyo epesa yo litomba te yo moko. C'est ça le commun que nous faisons dans nos prédications. Ndenge ngana bika na litei oyo yo pe obi obika. C'est ça que vous faites devant la radio. Donc ozali ko vulgariser. Vous avez vulgarisé un message. Mais message à vulgariser, il faut y aller, non? Je ne sais pas si c'est bien le cas. Nous avons abomi la génération à Noé. Parce que tout ça qui était comme ça. Est-ce que la communication était bien? Non. Est-ce que la communication était là? Moi, je suis dit que je suis Noé. Il n'y avait pas eu de communication. Nous avons abomé Sodome et Gomorre. Abigail et l'autre. L'autre a dit qu'il n'y a pas d'intervention à Abraham, non? Communication, est-ce que c'est là qui? C'est pourquoi, en 1921, en Banzansanda, la génération Wana, le corps meurt, mais l'âme est immortelle. Hein? Milimo Wana Nyonso, il y a qui que ça là, revendication par Tata Nzambe. Presse oui. Balobi, Nzambe, biso to te yama kite. Noé kutu to yiba kida biso yangote. Donc, bomba ki biso ka nanko, parce que to mona kida biso yite. Siko nani azwa ki rezo siko? Hein? Nzambe, Dieu accepte. Il a acté c'est leur problème, revendication. Bato Sodome ba yalubi l'autre azale ki d'abord un étranger ko ya yaki na mboka na biso ye moko kutu ayebaki kutu batute ate yaki nani même je balubaki ke keno yebi sa batute ve patoko boma keno yebi sa baboki lo naye est-ce que yebi sa mboka mobi la communication n'était pas passée nzamba lobi bon sikoyo boko bota mali susu bake do te ya binu. C'est comme ça que dans notre génération, Balobi, Bokobota Malissus, on a génération à Papa Simon qui m'a dit mon centre, à Te Yabino. Mais Bokobota Manaba comportement à Bino, au Bobo Zalaki Nango, pour Bate Yabino. Balobi, Boyokite, Botubela, Botika Makamboan. C'est-à-dire, il s'adresse à Yébi Cible Naye, que Batu Oyoana Bazalaki Wana, si Bakite, Toza Awa, Yamoza Mouana Mouke, Aibi déjà Makamamabe. Vous croyez que c'est un hasard qu'un papa qui nous violait une petite fille? Basali, basali, la génération moko. Il y a un moment que il y a beaucoup de femmes ici, ba maman basali a. Mais nako pona kaka moko, naza la posa naï. C'est-à-dire que yepe katozaki na génération moko to koyaka na génération non? To zongi lesus. Soko moni ka ndenge wana ke papa, ko zongi sa lesu na maite. Ba maman oyé. Papa boye, soki pe moni mama zako betela démarche na porte zalama ye, yebaka mutu akweisa kuna tango noye.
Tenez bien. C'est comme ça que communication na génération oyo eye maka. Donc communication eye makas. Rôle na biso to vulgariser message ya mokonzi ya boule yango bande de réseaux caisse de résonance. Tozwa ba message na ye o tozwa nango na ba bande oyo tozo vulgariser yango batu babika. Parce que Tozali, bato la génération à Noé. Bato la génération à Sodome, Tozali Awa, Tobotami Lissous. Yangwan Tozala Maye. Maintenant, Rose.